Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve après 3 mois d'absence. Après 3 mois d'absence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne savais pas comment revenir sur YouTube. Donc je me suis dit, avant de revenir, je vais vous dire un petit peu mon absence. Pourquoi je suis parti. Ça fait sur ma chaîne, j'ai été regardé. Il y a quoi? Il y a quelques jours maintenant. J'ai été regardé, ça fait quand même plus de 3 mois que je suis absent sur le YouTube. Je sais que j'ai reçu d'ailleurs des messages en privé, en commentaire, en me disant « Jaurès Gamer, où est-ce que tu es passé? Est-ce que ta chaîne va mourir? Est-ce qu'on va finir un jour par te revoir ?» L'homme qui murmurait... Ah, ça vous a manqué ça. L'homme qui murmurait à l'oreille de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il va revenir la folie des grandeurs au niveau des achats, de la Play, de tous les jeux qui vont arriver et tous les consoles qui vont arriver? Et l'éventualité, casque de réalité virtuelle, brevet qui a été déposé. La folie des grandeurs, Jaurès Gamer, vous rappelez, ah, on a passé des bons moments dans ma chaîne. Et je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment de revenir? Je vous dirai, je ferai une autre vidéo pour vous dire pourquoi je suis parti. Pour les gens qui m'ont envoyé des messages en privé, savent pourquoi je suis parti. Je leur ai expliqué un petit peu brièvement, mais je reviendrai sur ma chaîne pour vous expliquer vraiment en détail pourquoi je suis parti. Donc je suis dans un parc à Saint-Quentin où je me suis dit quand est-ce que je vais tourner cette vidéo pour vous le dire. Et bien c'est maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, les gens qui sont toujours abonnés à ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir. Quand exactement, ça, seul l'avenir nous le dira. Parce que là, à l'heure que je vous parle, je ne sais pas encore quand je vais revenir. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Quand, je ne sais pas. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Pour les gens qui continuent à s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre la petite cloche. Comme d'habitude, je remercie les gens qui continuent à s'abonner, qui continuent à laisser des petits commentaires. Ça fait plaisir. Je vois que ma chaîne continue à gagner des abonnés, même si je ne suis plus actif. Et ça me fait énormément plaisir. C'est aussi ça qui me pousse à vous laisser un petit message de bienveillance. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis présent. Même si je partage plus rien sur la réalité virtuelle, je regarde tout ce qui se passe, réalité virtuelle, les jeux qui sont sortis. Évidemment, pour le moment, je ne vais pas vous cacher, j'ai mis mon casque de côté pour le moment, par rapport au projet que je suis en train de faire, j'ai mis mon casque de réalité virtuelle de côté. Ça fait 3 mois maintenant que je n'ai pas joué un seul jeu de réalité virtuelle. À mon avis, quand je vais revenir vraiment, là, ça va cartonner. Tant pis pour les gens qui ont déjà acheté le jeu, mais au moins, je vais tester avec vous. Je vais vous dire les points forts des jeux, les points faibles. Comme d'habitude, j'ai pas envie de louper le train. Et je crois que je ne vais pas le louper quand je vais revenir. Et je vais faire en sorte de revenir très, très en forme. Parce que là, ça me manque quand même, tu vois. Ça me manque... Ah, il y a une mouche là. Ça me manque un petit peu de ne pas revenir sur YouTube. Mais bon, chaque chose en son temps. Quand je vais revenir, ça serait vraiment cool. Donc, je tenais à faire vraiment ce petit message de bienveillance. Ne vous inquiétez pas. Jaurès Gamer n'est pas mort. L'homme qui murmurait à l'oreille de la réalité virtuelle est toujours là. Il est toujours présent. Donc, voilà les amis. Donc, voilà. Bon, allez, continuez à vous abonner. Abonnez-vous à max. On est plus loin des 1000 abonnés. Hein. On est plus loin des 1000 abonnés. Et ça, ça me fait plaisir. Tu vois, ça me fait plaisir. Malgré que j'avais peur, tu vois. J'avais peur en me disant, merde. J'avais peur en me disant, si je fais plus de vidéos, peut-être que je vais perdre des abonnés. Mais au final, non, ça continue de grimper. Et ce que je trouve, et ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'il y a de l'inquiétude pour certains abonnés en m'envoyant des messages privés, en me demandant qu'est-ce que je deviens, est-ce que c'est normal que je suis plus sur YouTube, est-ce qu'il faut se désabonner. Mais non, reste abonné, je ne suis pas mort, je suis toujours présent. L'homme qui murmurait, on va y arriver à l'oreille de la VR, il va revenir plus en forme que jamais. Et je vous dirai pourquoi je suis parti, mon absence, tout ça. Enfin, je vous expliquerai très en détail parce que là, je suis dehors dans un petit parc. Je voulais prendre ce beau soleil, hey, l'hiver arrive, ce beau soleil pour vous dire que restez présents, je reviens. Allez, fin de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, allez, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye, ciao ciao.